Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo motivation ménage telle que vous l'avez demandé. Mon salon a peut-être l'air rangé, mais c'est vraiment sale. Le meuble tire à la poussière, le sol est sale, les tables sont sales, les étagères, vraiment n'en parlons plus. Je me suis donc dit que comme je vais nettoyer tout ça, autant mieux qu'on se motive ensemble. Mais avant de commencer la vidéo, je tiens à vous remercier énormément pour vos réactions à ma dernière vidéo. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Vous avez beaucoup réagi, vous avez beaucoup commenté. Et en à peine un jour de visionnage, on était à 1000 vues. Je me suis renseignée auprès d'autres youtubeuses que je suis. Elles m'ont dit en fait, c'est YouTube qui a décidé de faire aussi la promotion de la chaîne. Du coup, ça a cartonné. Donc, pour celles qui viennent de s'abonner, je vous dis vraiment merci. Merci d'être là. Merci d'avoir rejoint ma petite communauté. Restez scotchés sur ma chaîne et je compte sur votre soutien. Je me présente pour les nouveaux, une fois de plus, et pour toutes les personnes qui vont découvrir ma chaîne à partir de cette vidéo. Je m'appelle Nathalie. Je suis maman de deux filles. Je vis au Cameroun, je vis à Yaoundé. Donc, j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube pour échanger avec les mamans sur le quotidien d'une maman. Donc, sur ma chaîne, vous trouverez des motivations ménage comme cette vidéo aussi, des astuces, organisation, rangement, retour de course, vie de maman et les routines. Je vous invite à ce niveau de la vidéo de liker déjà pour permettre à YouTube de mettre en avant la vidéo. Donc, sans plus tarder, passons au ménage. Donc pour nettoyer la maison, je vais utiliser ce mélange de vinaigre blanc et d'eau et mon chiffon microfibre que vous connaissez déjà. Quand je l'ai acheté, je vous l'ai présenté dans une vidéo. Et depuis bien longtemps, c'est celui que j'utilise dans mon salon, celui-ci. Voici comment je vais organiser mon ménage. Je vais commencer par enlever les toiles d'araignée, ensuite faire les poussières avec mon mélange et mon chiffon microfibre, faire les poussières partout, balayer le sol, laver et ordonner. Si je commence par faire les poussières sur les meubles, au moment de faire les toiles d'araignée, ça risque encore de venir salir et je reprends tout. Donc je commence du haut vers le bas pour qu'à la fin, toutes les saletés se retrouvent au sol. Donc, let's go! À tous mes anciens abonnés, celles qui me suivent depuis le début de cette aventure, vraiment, je vous dis merci. Merci beaucoup pour votre soutien. Vos messages me motivent énormément. À tous les nouveaux, comme d'habitude, merci à vous parce que vous permettez à la communauté de s'agrandir. Là, je suis en train d'enlever les toiles d'araignée étant au téléphone avec ma mère. Donc, j'ai mis le haut-parleur pour pouvoir faire deux choses à la fois. Maintenant, nous allons nettoyer les étagères. Les étagères qui sont bien sales. Regardez, on a l'impression que la maison est propre, pourtant c'est bien salé. La télé aussi, c'est quelque chose qui prend la poussière, surtout derrière là, ça s'accumule. Du coup, je nettoie bien, puis je tourne le chiffon avant de nettoyer l'écran. L'inconvénient d'avoir les objets décoratifs de petite dimension, c'est qu'au moment du nettoyage, ce n'est vraiment pas évident. Il faut faire la poussière sur un par un.
Les gros objets sont faciles à entretenir. C'est pourquoi je préfère avoir une maison désencombrée qui n'a pas trop de choses. Si en plus des objets décoratifs, j'avais encore plusieurs petites tables, plusieurs meubles, plusieurs étagères, ouf, ça devait être vraiment compliqué le ménage. Donc là, je vais aller nettoyer le baf. C'est ce côté de la maison, vraiment. C'est où il y a le plus de poussière chez moi. Parce que c'est un endroit que je ne lave pas tous les jours. Donc là, je vais enlever la poussière, nettoyer tous les baffles, le régulateur de tension qui est là, reculer, balayer directement et remettre en place avant de continuer. Là, j'aurai fini avec cet espace-ci. À ce niveau de la vidéo, les amis, je vous invite à liker si ce n'est pas encore fait. Et à me dire en commentaire comment vous faites chez vous, avec quel mélange vous nettoyez chez vous. J'ai développé l'habitude de faire le ménage en évoluant au fur et à mesure. Quand je finis avec un espace, je range directement. Vous savez, la vie de maman, c'est une vie pas facile. En plein milieu de ménage comme ça, vous pouvez interrompre et vous retrouver quelque part où vous n'avez pas imaginé. En fait, les mamans se comprennent. Laissez-moi une de vos histoires en commentaire. Je viens également mettre le mélange sur mon chiffon microfibre et je nettoie toute ma décoration qui est sur ma table basse. Puis je vais bien nettoyer la table basse. C'est une table en bois, en blanc. C'est facile d'entretenir, surtout avec ce mélange-ci, eau et vinaigre blanc. Enlève bien la saleté, quand je frotte, s'enlève bien. En fait, c'est avec ça que j'entretiens tous mes meubles. Parfois, à ça, j'ajoute du bicarbonate de soude, parfois pas. Je viens du côté salle à manger, débarrasser tout ce qui n'est pas à sa place. Ensuite, je commence à nettoyer. De la même manière, je vais nettoyer mes meubles blancs en mettant le mélange sur le chiffon ou alors directement sur le meuble, ça va dépendre. Ce mélange là qui me permet de les garder blancs tels que vous voyez. Et puis je nettoie aussi régulièrement parce que quand les enfants mangent, la nourriture se verse. Parfois c'est l'huile rouge, parfois c'est la tomate, parfois les bâtons de manioc collent même sur la chaise et les pieds salent sur la chaise. Donc je suis obligée de nettoyer régulièrement quand même. Maintenant, je m'attaque à mon buffet. Je nettoie également tout ce qu'il y a dessus comme décoration. Et mes livres décoratifs avaient aussi la poussière. Donc, j'étais obligée de frotter certains endroits pour enlever la poussière.
Maintenant que j'ai terminé avec le buffet, toujours au côté salle à manger, je vais nettoyer mon pot de fleurs. S'il vous plaît, comment on appelle la partie que je suis en train de nettoyer là? Please, dites-moi dans les commentaires. Là maintenant, j'ai terminé de faire les poussières côté salle à manger. Maintenant, je peux balayer et entasser les saletés loin. Maintenant, nous allons passer au nettoyage à sec de mon canapé. J'utilise ce chiffon que j'avais acheté à Bricolux. Ça sort 3 dans ce paquet. Je l'avais pris pour tester sur le canapé et je suis plutôt satisfaite parce que ça attrape la poussière, regardez. Ça attrape très bien la poussière sur le canapé. Il faut aussi noter que les canapés en tissu microfibre sont les plus faciles à entretenir. Parfois, je mets juste un gant dans de l'eau tiède et du savon. Je frotte les endroits qui ont les taches, même les bics, et ça quitte facilement. C'est un tissu qu'il faut choisir pour vos meubles quand vous avez les enfants. Franchement, ça se nettoie très vite, très facilement. Donc, avec ce chiffon, je vais frotter partout. Frotter partout et ça va attraper la poussière. Ces chiffons, je les ai achetés à Bricolux. Tel que vous avez vu dans le paquet là, ça sort 3 et ça m'avait coûté 1000 francs. Les autres sont déjà un peu sales, mais je peux toujours les réutiliser. Mais j'ai voulu utiliser le plus neuf pour que vous voyez la différence entre comment c'était blanc au départ et comment ça a attrapé la poussière après. J'espère que vous avez bien vu. Ensuite, je vais venir terminer de balayer le reste du sol avant d'aller nettoyer la fenêtre du salon parce que cette fenêtre-là a vraiment attrapé la poussière. Donc, après avoir balayé comme ceci et ramassé les saletés, je vais donc venir attaquer avec cette fenêtre. Cette partie du mur que je nettoie attrape tellement la poussière. C'est comme si toute la poussière de la maison se déverse là-bas. Je nettoie ça vraiment presque tout le temps et ce n'est jamais vraiment bien propre. Vu que juste en haut des carreaux, en fait sur le mur, c'est la peinture à eau. Sur ma fenêtre, donc, je vais venir mettre le même mélange et nettoyer. Ce mélange, je tiens à le dire, ça nettoie bien les vitres. Que ce soit le mélange vinaigre blanc et eau tiède, ou alors vinaigre blanc, bicarbonate de soude et eau tiède, ça nettoie très bien les vitres. Vraiment, avec ces ingrédients-là, vous faites votre composition maison. Pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour acheter les produits ménagers. C'est naturel et c'est économique. Normalement, quand je fais mon ménage sans filmer, comme ça, je peux le faire en une heure. Mais quand je filme, ça me prend plus de temps.
Une fois terminé avec ma fenêtre, je vais venir laver le sol. La partie que j'aime tellement parce que j'ai un ustensile qui est tellement pratique. Je me place juste debout, j'appuie comme ça. Même quand je suis fatiguée de chez fatiguée, j'appuie seulement comme ça, ça tourne, ça essort. Puis je nettoie. Je n'ai même pas besoin de bouger les meubles quand mon sol n'est pas extrêmement sale. C'est quand c'est vraiment sale là que je dis que je bouge les meubles. En fait, mes meubles, je les bouge au trop une fois par semaine. Je nettoie en dessous, je passe au milieu là et c'est terminé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de l'eau dans le seau, puis j'ai mis du savon. Quand je mets le balai sur les pieds, je nettoie, je sors, je nettoie, je sors, je renettoie encore pour que le sol soit bien sec. Une fois terminé avec le sol, je vais venir décorer mon canapé. J'aime bien de temps en temps changer de décoration sur le canapé. Parfois je mets 4 coussins, parfois 2, parfois 5, donc ça dépend. Donc voilà le résultat, la maison est propre, la maison brille. Cette vidéo est arrivée à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère surtout qu'elle vous a motivé chez vous à faire du ménage. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo et comment vous faites chez vous. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!